السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ياسين إبراهام يفتح قلبه ويتحدث عن سبب اختياره تمثيل الجزائر، ولماذا غاب أحسن منتخب عربي عن كأس العالم. هيا بنا نسمع تصريحه كما قاله تماما دون أن ننقله عن أي صحيفة. نسمع ما قاله هو بنفسه. هيا بنا نتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. ما ذكرناه كان نقلا عن صفيح عن نفس هذه القناة وصحيفة أخرى، الآن سوف نسمعه بنفسه. أتمنى من الجميع وضع اللايك والاشتراك في القناة، ويلا مع بعض نشوف شو حكى. الجزائري ونادي الغدافة القطري، أهلا بك إلى برنامج توقعاتي. السلام عليكم، merci beaucoup. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. ياسين، كم هو صعب الوقوف هنا وعلم الجزائر غير متواجد بين منتخبات المونديال؟ Ouais, bien sûr, très très grande tristesse et désillusion pour nous. C'était l'objectif de cette génération. Et voilà, ça fait partie du foot et il faut garder la tête haute et continuer de l'avant, inchallah. كنتم على بعد فقط دقيقة من التأهل إلى كأس العالم. ماذا حصل؟ Ça s'est joué à quelques secondes avec un scénario très 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 dur après avoir perdu 2-1 contre le Cameroun. Voilà, comme je le dis souvent, c'est des choses qui peuvent arriver dans le football, des petits détails, des petites erreurs qui font la différence au final. Mais voilà, on ne peut pas rester sur cet échec et il y a une génération qui a énormément de qualité, une nouvelle génération avec de jeunes joueurs aussi énormément talentueux. Donc il faut voir l'avenir, inchallah. أفضل منتخب إفريقي وعربي هل ظلمه التحكيم؟ Non, sincèrement, moi en tout cas personnellement, j'aime pas parler d'arbitrage dans le sens où on avait les moyens de gagner. Bien sûr que l'arbitre parfois peut plus ou moins enfin plus ou moins non même pas j'aime pas parler d'arbitre, c'est vraiment le terrain qui doit parler et voilà, et c'est un échec pour nous et on doit le prendre, quand je dis fièrement, pas en cherchant des excuses, mais voilà, en nous regardant nous-mêmes et voilà, et rebondir, à aller de l'avant. On est des hommes, il faut avancer. ياسين، كيفك مع التوقعات؟ ربما هذه التجربة الأولى لك في برنامج توقعاتي، وبما أن الجزائر غير موجودة في هذا المونديال، هل سنتابع توقعات عقلانية يحكمها التحليل الفني وبعيدة عن العاطفة، أم أن العاطفة ستكون حاضرة عندما يتعلق الأمر بالمنتخبات الإفريقية؟ J'essaie toujours d'être le plus juste possible et d'être le plus réaliste possible. Maintenant, bien sûr qu'après, l'émotion part toujours un petit peu parce que voilà, parce qu'on aime plus ou moins certaines équipes. Mais on va essayer d'être le plus réaliste possible. إذن ياسين، 32 منتخبا توزعوا على 8 مجموعات سيتنافسون من أجل رفع اللقب الأغلى هنا في قطر. برأيك الشخصي وسريعا، من هي أصعب مجموعة؟ Selon moi, bon déjà, je pense qu'il y a pas mal de groupes assez compliqués aujourd'hui. Je pense que les sélections ont énormément évolué ces dernières années. Mais je dirais que pour moi, le groupe qui va être plus ou moins serré, Brésil. On va dire le groupe du Brésil. Le groupe du Brésil avec des équipes assez homogènes, donc ouais, ça peut être un groupe assez serré. إذن لنبدأ لعبة التوقعات ياسين، ونبدأ من المجموعة الأولى، مجموعة البلد المستضيف قطر وبطل آسيا في مواجهة الإكوادور، السنغال والمنتخب الهولندي. من ستقصي ومن ستؤهل؟ Déjà, j'espère que le Sénégal fera partie des qualifiés. Bien sûr, on peut être que reconnaissant envers le Qatar pour son organisation. Et aussi, moi, ça fait 3 ans que je suis ici, donc forcément, je suis reconnaissant envers eux. J'ai des amis qui jouent dans cette équipe, donc j'espère aussi qu'ils créeront cet exploit-là, même si on sait que ça va être très dur. Parce qu'il y a la Hollande est une très très bonne équipe. Donc sincèrement, j'espère vraiment que le Sénégal et le Qatar vont se qualifier.
même si on sait que la Hollande est le favori du groupe. من في الصدارة السنغال في الصدارة وقطر في الوصافة؟ Je vois plus le Sénégal premier et on va dire le Qatar deuxième. إذا بطل إفريقيا في الصدارة وبطل آسيا يتأهل في وصافة هذه المجموعة. بطل عالم عام 66 إنجلترا يصطدم بإيران كارلوس كيروش أمريكا ومنتخب ويلز. من سيواصل ومن سيودع على مسؤوليتك ياسين؟ Je vais dire l'Angleterre. Et en deuxième position, je pense que ça va jouer entre l'Iran et les États-Unis. Je ne sais pas si l'Iran s'est déjà qualifié au deuxième tour. Mais en tout cas, ça serait quelque chose de très très bien. Donc je vais mettre l'Iran. L'Iran. إذا إنجلترا في الصدارة وإيران في الوصافة. مجموعة الأرجنتين وميسي في مواجهة الأخضر السعودي مكسيكو وبولندا. بطبيعة الحال. Le grand favori c'est bien sûr l'Argentine. أرجنتين في الصدارة. L'Argentine. Et en deuxième, c'est vrai que c'est un groupe aussi. J'aurais pu donner ce groupe aussi comme le plus difficile, mais je vais dire, on va dire, allez, la Pologne en deuxième. بولندا. برأيك إرفي رونار غير قادر أن يؤهل السعودية؟ Bien sûr, mais après, comme je dis, je pense que j'aurais dû donner ce groupe-là comme le plus difficile, parce que le Mexique c'est aussi une très bonne équipe, l'Arabie Saoudite c'est aussi une très bonne équipe. Bien sûr que si je m'écoute, j'aurais dit l'Arabie Saoudite parce que voilà, parce que c'est un pays voilà, enfin que j'apprécie et je préférerais qu'il se qualifie. Mais c'est Argentine, Polanda. Ouais. قرار نهائي. مجموعة حامل اللقب فرنسا وأستراليا الدنمارك والمنتخب التونسي. La France, je pense que la France est le favori de ce groupe. Et après, je pense que ça va jouer. La vérité, je vois la Tunisie capable oui, de battre l'Australie. ياسين لو المنتخب الجزائري تأهل للمونديال ووقع بنفس المجموعة مكان الكاميرون برأيك الجزائر كانت قادرة تتأهل للدور الثاني لو هالسيناريو حصل honnêtement sans prétention oui 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 المجموعة الأخيرة مجموعة المنتخب الكرواتي مهمة صعبة للمغرب oui. Bien sûr, difficile, bien sûr, ça c'est sûr que c'est difficile, mais je vois la Belgique, et voilà, et comme j'ai dit, après, c'est vrai qu'aussi c'est le cœur qui parle un petit peu, parce que j'espère vraiment que les sélections... Sincèrement, je vois le Brésil, premier, dans un groupe très très dur. Le Cameroun, bien sûr, même si c'est eux qui nous ont éliminés, je leur souhaite aussi, en tant que nation d'Africaine, le plus de succès. Mais je pense que... Serbia? La Serbie, je pense que... est un petit peu plus favorite que la Suisse et le Cameroun dans ce groupe. Serbia, في الوصافة. ياسين, لو المنتخب الجزائري تأهل للمونديال ووقع بنفس المجموعة مكان الكاميرون برأيك الجزائر كانت قادرة تتأهل للدور الثاني لو هالسيناريو حصل honnêtement sans prétention oui 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 المجموعة الأخيرة